Qu'est-ce que vous pensez de la performance d'un autre garçon, alors évidemment qui n'est pas du tout athlète comme vous, mais quand même qui est un sportif incroyable, on en parle aussi dans la presse ce week-end, c'est Philippe Croizon qui lui est un garçon handicapé qui n'a plus de membres ni supérieurs ni inférieurs, c'est-à-dire sans bras et sans... Non. Non, le problème c'est de s'appeler Croizon quand t'as plus de bras. Non, parce que là je voulais pas saluer sa performance. Bien sûr, alors. Il vient de faire 27 km en 12 heures alors qu'il a plus de bras et plus de jambes non plus, plus aucun manque de chocolat non plus. Non, écoutez, oh là là là. Et c'est pas bien. Ils l'ont sorti de l'eau avec un hameçon, tu sais, pour remonter. Il est marrant ce verre de terre. Non, écoutez, j'essaie d'être sérieux dans cette émission. Aidez-moi, Serge Girard. Mais non, vous pouvez pas être sérieux avec des chroniqueurs comme ça, c'est impossible. Ah ouais. Tu ne racontes que des trucs poilants. Il a fait un aller-retour à la nage entre Noirmoutier. À la nage ? Oui, à la nage, monsieur. À la nage. Il nage mieux que vous, justement. C'est ça qui est formidable. Sauf le papillon. Ah oui. Il ressemble. C'est la brasse coulée. On le prendra au téléphone dans cette émission. Parce Non, non, non. Bah non, au comment, téléphone, mais qui va décrocher ? Ah non, mais c'est pas possible. Ah, c'est monstrueux. Ah, ça va sonner. Merde. Non mais moi je démissionne hein. Si on part comme ça sur cette saison alors, non, s'il n'y a plus de limite alors non. Mais en plus de ça il veut traverser la Manche. Ah mais enfin alors, il veut une main libre, écoute. Alors il veut effectivement il veut traverser la Manche. Eh oui, mais sans bras, c'est compliqué. Ce qu'il veut surtout, c'est prendre son pied, ce salon. Arrêtez. On aura. Je suis sûr qu'il d'ailleurs, ça lui fait rire ce genre de plaisanterie parce bien que. Sûr. Ouais. Il va vite. On lui met les palmes. Oui. Il a des palmes. Exactement. Il a. Bravo. Il a des prothèses fixées à ses moignons de jambes. C'est un peu de la triche. Ça c'est dégueulasse. Non, alors, parce que là, on plaisantait. Mais ta couche. Ah oui. Le tricheur. Non, ça c'est dégueulasse. Alors là, je vais vous donner un nom qui va forcément vous dire quelque chose. Ouais. Elle s'appelle Jessica Watson. Ah bah ouais. C'est une Australienne. C'est la petite qui va traverser seule en bateau. Pas du tout. Mais son record va être battu, Jessica Watson. Ah voilà, c'est pour ça. Je l'ai lu par la jeune de 14 ans qui doit traverser je ne sais quelle océan. Et qui s'appelle elle ? Drecker. Laura Decker. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Toute la presse en parle de cette gamine quand même. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle va partir à un âge où elle est en pleine, elle est en train de se former. Cette fille, elle a 14 ans. Ses parents ont peut-être retrouvé une femme. C'est ça qui est amusant. À l'arrivée, un enfant, c'est ça. Elle va peut-être arriver enceinte. Si elle croise des pirates somaliens, c'est parce qu'elle peut accoucher d'un beau pajot. Elle va attraper la clope de Panama. Bien hein sûr, ou alors le mec sans bras et sans jambes, tu sais, qui laisse passer sa bite comme ça. Non. C'est n'importe quoi.